Ecco. Salut Germain. Ah Germain, viens, c'est mon anniversaire. Oriente mon passant. 1, 2, 3, 4, 5. Oriente. Ben guide, hein. Salut, ça va. Guide, mon passant. Hein, t'aurais pas trouvé ça, toi. Il n'y a pas de risque. Un guide mon passant. Quoi? Ben si. Le guide mon passant, je connais. C'est comme le guide Michelin. Oh non. Le guide mon passant. Non mais c'est bon quoi. Le guide Maupassant comme le guide Michelin. Ah oui. Oh, le béret. Le béret. Ouais. Non, rien, non. Putain. Il commence. Germain ! C'est pas possible, tu remets ça, il y en a marre, hein ? Eh oui, je remets ça, je suis bien obligé. À chaque fois, vous l'enlevez. Mais c'est un monument public, Germain. Et qui ça gêne que je mette mon nom avec les autres ? Qui ça gêne, c'est réservé aux morts. Tu peux pas comprendre ça ? Faut être mort pour être dessus. Eh ben oui. Et mort à la guerre. Oh là là, bon... Mais bon sang de bois, pourquoi tu fais ça, hein ? Dis-moi pourquoi ? Faut faire chier. Mais vous n'avez jamais rien lu de Camus, L'étranger, La chute ? Non, non, j'ai pas le souvenir. Alors, nous continuons ? Oui. Mais une autre fois, hein ? Et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà. C'est fini ? Oui. Nous aurons lu La Peste en 10 jours. Tenez, je vous le donne. Oh non, non. Ah bien, cette fois, gardez-le. Hein. Mmh. Si, j'insiste. Une secousse terrible ébranle le sud du pays. Les bâtiments s'écroulent, 32 personnes meurent sous les décombres. Les blessés se comptent par centaines. Putain, il y en a vraiment qui n'ont pas de peau. Hein. Quand c'est pas les bombes qui leur tombent sur la gueule. Hein, c'est la terre qui se débine sous leurs pieds. Et même deux fois, en plus, ils chopent le choléra. Ou la peste, comme à Oran, dans le livre à Camus. T'as lu Camus, toi ? Bon, pas tout, hein. La peste, la chute, l'étranger. Mais depuis quand toi, tu t'intéresses au bouquin là ? Qu'est-ce qu'il y a là, la Francine ? Ben c'est Youssef, il est parti. Ah bon, où ça ? Ah non, pas où, avec. Avec Stéphanie, l'infirmière. On ne trouve pas comme ça, ma poule. Allez, mais Youssef, il va revenir. Allez, ma Francine, t'as quel âge ? 50 ans. Comment ? Combien ? J'ai 50 ans. Ah, quand même. Quoi, quand même ? Ben non, je savais pas qu'il y avait une telle différence. Mais de toute façon, Youssef, il le sait bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure tambouille. Ah, je n'aurais que deux mots à dire. Bravo. Ben, c'est normal, j'essaye d'aider, hein. Et puis le Youssef, t'en fais pas, il y en a d'autres. Voilà, c'est comme la Simca du docteur Pédisson, tu vois. Ben si, tu le connais, viens ici, Pédisson. Elle était plus cotée à l'Argus, et ben il a trouvé acquéreur. Voilà. Et dis donc, t'es inspiré, je sais pas si c'est la lecture.